Yo la team, c'est Benji Kenzo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Lego Star Wars, la saga Skywalker, sur PlayStation 5. Le jeu est sorti la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Donc c'est parti les amis, on va tester un épisode. Peut-être pas en entier, on va voir le temps que ça dure. Attendez, du coup, avant tout ça, tac, voilà. Allez, c'est parti, commencez. On va faire continuer. Tac. Continuer le chargement. Voilà, du coup, j'ai fait... On va voir tout ce qu'il y a. Donc, du coup, il y a la menace fantôme, épisode 1. L'attaque des clones. La revanche des Sith. Un nouvel espoir. L'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, le réveil de la Force, les derniers Jedi, l'ascension de Skywalker. Donc du coup, nous on va faire le test de sur la revanche des Sith, le meilleur épisode de Star Wars. Allez, c'est parti les amis, on commence. Je le découvre avec vous. Il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, Star Wars. Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. C'est la guerre, la République croule sous les attaques de l'impitoyable Sith. Le Comte Dooku, il y a... Ah, j'ai même pas le temps de lire, ça va trop vite. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour la revanche des Sith en version Lego remasterisé remake. Ils ont refait complètement le jeu. À l'époque, il était sorti sur PS3. Une compilation avec tous les Star Wars. Mais là, ils ont rajouté les trois derniers Star Wars. Donc, c'est parti, les amis. Allez, c'est Anakin et Obi-Wan, ça. Le vaisseau du général Grievous se trouve droit devant. L'autre, il s'est pris, la... il s'est pris le vaisseau dans la tronche. Ah bah tiens, la retraite, tu l'as vu rapidement, la retraite. Hein. Genre, il boit son café. Le signal du chancelier provient de la plateforme d'observation en haut de cette flèche. Ah, c'est la voix de Ewan McGregor. Reste ici pour nous guider. Par contre, Anakin Skywalker, c'est pas la vraie voix. Allez, c'est parti, les amis. Ok. Discret comme ça. Donc, je prends Anakin. Tiens, inutile le Jedi. Tiens, hop là. R2, tu peux nous sortir de là? Faut demander à R2. Il y a quoi par là? Vous voyez, maître, vous n'auriez pas dû nous aider. Non, on peut rien faire. Faut demander à R2. Ouais, comment on passe Ah oui. Hors de question que vous fassiez. On va demander à R2 si on... Il est où R2? Ah merde. Trouver le chancelier Palpatine, ok. Attendez, il y a quelque chose d'écrit là. Voilà. Voilà, soulevé. C'est quoi ça? Ah bah voilà. T'es pas assez payé pour ça? Regarde, hop là.
Pardon, Obi-Wan. Et ça dégage. Du coup, faut enlever l'autre de l'autre côté. Voilà. Non. Non, non, non. Comment on sort par là? Bon, ça doit être par là, il me dit d'aller par là. Ah oui, voilà. Allez, on va ouvrir la porte. Et voilà. Allez, Jedi à la rescousse. Ça dit d'aller par là, voilà. D'où tu parles de ma mère, toi? Tiens. Ah ben, j'ai perdu mes cheveux, tiens. Ah, c'est Destroyer. Hop. Putain, c'est Général Grievous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça se... Ah, c'est un piège. Ah, je suis mort encore. C'est quoi qu'il faut faire là? Trouver. Ah, c'est ça. Voilà, du coup on va désactiver le système. Voilà. Nous sommes proches. Je sens la présence du Grand Dooku. Moi aussi. J'ai fait changer. Ah, il y a des destroyers. On va s'en occuper. Voilà, il est mort. Pas le temps pour les distractions. Nous devons aller trouver le chancelier. Ah, il y a des nouveaux ennemis. Ah, il joue au bowling. Je crois que R2 commence à être ça. Vous êtes content qu'il soit venu, hein? Plutôt. Attention, on le jette. Et toi, tu dégages. Nous sommes là. Ah bon, on est déjà au compte de coup. Chancelier. Vous allez bien? Compte de coup. J'attendais cela depuis longtemps. On va s'occuper du compte de coup, les amis. Ah bah... Il tombe comme des merdes derrière. Alors on va s'occuper d'un site, le Comte Dooku. Mes pouvoirs ont doublé depuis notre dernière rencontre. Tant mieux, votre humiliation n'en sera que plus cuisante. Bah viens. Oh là là, il m'a dégommé. Attention, on va esquiver. On esquive. Allez chercher de l'aide, vous n'êtes pas de taille. C'est un seigneur Sith. Chancelier Palpatine. Seigneur Sith. Allez, on va tuer ce Jedi de pacotille, ce Sith de pacotille. Loupé. Colère, la voilà. Maintenant, utilise-la. Vous allez payer pour ce que vous m'avez fait. Est-ce qu'il a vu, il a coupé la main? Droïde, veuillez vous occuper de nos chers invités ici présents. Vas-y, on arrive. Inutile. Dès qu'on en neutralise un, on en arrive tout de suite un autre. Oh, j'ai encore perdu mes tifs. Il nous compte de coups.
On va s'occuper du Comte Dooku, bah, il est de retour. Pardon, V1. Oh, j'en suis en train de dégommer, les amis. Il m'a dégommé. Deux coups de sabre laser. On ressuscite. Et là, c'est la fin du Comte Dooku, normalement. Il est où, les houlous? Elle vient là. Skywalker, aurais-tu besoin d'un coup de main pour monter là-haut? Ne rentre pas dans son jeu. Putain, j'arrive, viens tout. Eh, il veut pas venir. Alors voilà. Allez, viens là. C'est sa dernière vie. Ah, j'arrête pas de crever. Ah bon, c'est du Lego, hein. C'est comme ça. Hein. Waouh. Loupé. Et la clams. Général Grievous. Le général Grievous. À la classe. Ça se passe pas comme ça dans le film. Le il se prend en photo carrément. Attachez votre ceinture. Je te nomme mon représentant personnel au sein du Conseil Jedi. Le Conseil élit ses membres. Il n'acceptera jamais cela. Je pense que si, ils ont besoin de toi. Un autre vrai plaisir. Plus que tu ne le crois. Chancelier Palpatine. Maintenant que le Comte Dooku a été éliminé, la guerre va sûrement prendre fin, n'est-ce pas? Le Sénat continuera de voter la guerre tant que Grievous sera en vie. Padmé. Oh, Anakin. Ah, tu m'as manqué, Padmé. Quelque chose de merveilleux est arrivé. Oh, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on va faire? Anakin! Je me fiche qu'il sache qu'on soit mariés. Anakin! Viens, Anakin. Notre présence est requise au Conseil Jedi. Du coup, on va aller au Conseil des Jedi, les amis. Bon, on s'en fiche, hein. Nommé personnellement au Conseil par Palpatine, quel honneur. Bien sûr, maître. Ce sera intéressant de voir ce que vous faites là-bas entre vieux Jedi. Nous ne sommes pas tous aussi vieux que Yoda, tu sais. Mais avec l'âge vient la sagesse, Anakin. Alors, on va prendre le Temple des Jedi. Non, direction. Je suis impatient de pouvoir enfin mettre un terme à ça. On n'a pas attendu Obi-Wan. Les temples des Jedi. Vous voilà donc.
Pouvons-nous commencer cette réunion du Conseil Jedi ? Vas-y, continue l'histoire. Tu es admis au Conseil, mais nous ne t'accordons pas le rang de maître. Quoi ? Comment peut-on siéger au Conseil sans être maître ? Assieds-toi, jeune Skywalker. Le Conseil veut que tu fasses un rapport sur les moindres agissements du chancelier. Nous voulons savoir ce qu'il prépare. Je comprends. Nous avons exploré tous les systèmes de la République, mais aucune trace du général Grievous. Dans la bordure extérieure, Grievous se cache. Maître Kenobi doit y aller. D'accord, je suis. Très bien. Et concernant l'attaque droïde contre les Wookiees ? Yoda se rendra sur Kashyyyk avec un bataillon de clones pour soutenir les Wookiees. Que la Force soit avec nous. Que la Force soit avec nous. Quelle est notre mission ? Maître Yoda pense que le général Grievous se cache quelque part dans la bordure extérieure. Localisez le général Grievous. Nous allons nous rendre sur la planète Utapao. Une fois là-bas, nous pourrons faire le plein et planifier nos recherches. Bien reçu. Ça, c'est magnifique, hein. Ils ont vraiment refait le jeu, quoi. Regardez les décors. Ça, c'est Coruscant. Ok, c'est parti. Plateforme d'atterrissage. Direction Utapao. Du coup, on va rechercher le général Grievous. Salutations, jeune Jedi. J'aimerais utiliser votre ville comme base, pendant que je recherche le général Grievous dans les systèmes avoisinants. Il est ici. 10e niveau. Des milliers de droïdes de combat. Appeler des renforts. Il ne va pas falloir longtemps aux armées de la République pour nous retrouver. Je vais vous envoyer dans le système Mustafar, dans la bordure extérieure. Vous y serez en sécurité. Bonjour à tous. Général Kenobi. Naughty Dance. Après vous. Oula! Oula, 4 sabres laser! Je vais m'occuper de ce sale Jedi moi-même! Ah bah viens, je t'attends! C'est à vous qu'il parle, monsieur. Oui, je le crois bien. Attention, on esquive. Bon, tu me lâches ? Je ne crois pas. Ah, il a un bras en moins. On va lui en dégommer un deuxième. Ah, il fuit. Flipped, va. Ok, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, on va jeter le sabre laser. Bien reçu.
plus le général Grievous. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah, faut prendre un... D'accord. Ok. Actionner. Ah, on l'a fait tomber. Il est tombé comme une merde en plus. Eh ben, on va manquer pas, on manque pas d'audace, on va s'occuper de toi mon pote. Ah, l'enchaînement. Oh, je suis en train de me faire dégommer là. Il va lui rester une vie. Mais vous n'êtes que le misérable pantin de Doku. Il a perdu encore un bras, il lui en reste deux. Deux sabres laser. Regardez-moi cette flippette. Ah bah venez. Je vais faire quelque chose avec un Jedi. Tiens. Toi t'es mort. Attendez, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok, on monte comme ça. La classe. C'est un peu abusé ça quand même. Et nous, général Grievous. Le voici. Arrête de flipper là, viens là, viens te battre, c'est un homme. Non, bah non. Ah, il me faut le... Si, c'est bon, il est là. Eh, viens là. Il est monté en haut. Ah, les deux Grievous. Oh la vache. Faut pas regarder en bas. Elle nous c'est vite fait. Elle vient là maintenant. Oh, il m'a déglingué là. Regardez-moi cette flippette, il saute dehors. Un enchaînement. C'est sa dernière vie. Attention, on esquive. Encore quelques coups. Il lui reste une vie encore. Allez, plus qu'un bras. Et ça sera fini. Pour le général Grievous.
Aïe aïe aïe, c'est qui ça encore? Allez, venez là. Et prenez ça. Allez, on va monter maintenant. Mais non. Faut monter. Ah. Ah mais... C'est bon, en haut. Le garde, il va monter. C'est quoi qu'il y a par là? Il y a rien. Ah bah le voilà, le général Grievous. Il se planque. Nous devons faire sortir Grievous avec des tirs de support. Connie, vous pouvez appeler des renforts? Je devrais pouvoir transmettre un signal depuis cette tour de communication. Qu'est-ce que c'est que ça? On construit. Ok, commandant, du coup on va appeler Tony. Posez-vous à cette tour de communication et envoyez un signal. Il nous faut des renforts. Des sortes de mini-jeux. À toutes les unités, nous let's go. Il est tombé comme une merde encore. C'est à vous qu'il parle. Allez, on va le terminer. Le général Grievous est juste là. À nous deux. Et merde, on est mort. Loupé. Il est mort. Le petit danse. Tellement barbare. Commandant, contactez vos troupes. Dites-leur de se diriger vers les niveaux supérieurs. Très bien, monsieur. L'heure est arrivée. Il rêve. Tu n'auras qu'un nounours. Fais-le. Vous vouliez me voir, chancelier? Oui, il semble que le Conseil Jedi n'apprécie pas tes talents à leur juste mesure. Je sais qu'il me cache des choses concernant la Force. Laisse-moi t'aider. Comment connaissez-vous les voies de la Force? Mon mentor m'a tout appris, y compris la nature du côté obscur. Vous connaissez le côté obscur?
Tu es d'une grande sagesse, Anakin. Découvre le pouvoir du côté obscur. Le pouvoir de sauver Padmé. Je vais vous dénoncer au Conseil Jedi. Maître Windu, je viens d'apprendre une chose terrible. Le chancelier Palpatine est un seigneur Sith. Un seigneur Sith? Vous aurez besoin de mon aide pour l'arrêter. Je sens beaucoup de confusion en toi, jeune Skywalker. Attends notre retour dans les chambres du Conseil. Oui, maître. On continue, les amis. Le chancelier Palpatine? Comment est-ce possible? Nous savions que nous ne pouvions pas lui faire confiance. Mais si Skywalker dit vrai, il est encore plus dangereux qu'on aurait pu l'imaginer. Rester dissimulé pendant si longtemps, il faut sortir. Direction. Besoin de vous rendre quelque part? Siège du Sénat de Coruscant. J'espère que vous ne vous ferez pas attaquer sur la route. Restez sur vos gardes. Ah, maître, que me vaut ce plaisir? C'est de tuer. Maître Windu. Vous êtes en état d'arrestation. Vous me menacez, maître Jedi? Le Sénat décidera de votre sort. Le Sénat, c'est moi. Oh, pas encore. C'est vraiment bien fait quand même. Ils ont refait les mêmes scènes que dans les films. Anakin. Jedi prennent le pouvoir. Je vais en finir une bonne fois pour toutes. Non. 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 J'ai le pouvoir de sauver celle que tu aimes. J'ai besoin de lui. Mais il est mort. Qu'est-ce que j'ai fait? Apprends à utiliser le côté obscur de la force. Je ferai tout ce que vous demanderez. Désormais, tu auras le nom de Dark Vador. Une grande perturbation dans la force, je viens de sentir. Darfoul, continuez vers Kashyyyk. Nous devons. Allez. Vous du coup, ne devez pas. Votre peuple sur Kashyyyk. Petite bataille. Attention, on esquive. Prépare-toi à être dynamité. Vous pouvez vous enfuir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Chasseur, détruisez-les. On est trop loin. On va s'occuper des vaisseaux, les amis. Et... Fini.
Jim. Il reste plus beaucoup à tuer. C'est quoi ça? Ok, d'accord. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Ah, mais c'est là qu'il fallait aller. Hyperespace, c'est parti. Nous arrêter ces droïdes ne parviendront pas. Bon, écoutez les amis. Impitoyable, attendez, je vais me couper la parole. Nous regrouper, nous devons. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour le test de Lego Star Wars, la saga Skywalker. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Dans la description, vous verrez un nouveau lien. C'est ma nouvelle chaîne YouTube sur des jeux rétro qui sera en cours très prochainement. Donc les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!